Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment dessiner Cruella de Disney, donc du dernier film. On va donc commencer en faisant un cercle pour la tête. On va ensuite faire un axe de symétrie verticale qui passe au milieu du cercle et un axe horizontal pour placer les yeux. On va donc faire les yeux qui sont deux grands cercles. Et on va faire une forme un petit peu pointue sur l'extérieur des yeux parce que l'actrice dans le film a quand même des yeux plutôt en amande, donc c'est pour faire rappeler le personnage. On vient lui faire un petit sourire un peu en coin. On va corriger la forme de la tête et on fait les reflets dans les yeux. Ensuite, on lui fait des sourcils. Et on attaque le corps, donc on commence en faisant une espèce de trapèze qui est plus étroit sur le bas. Et ensuite on va poursuivre la forme en évasant pour faire en fait une robe. On lui fait un décolleté puisque sur l'image de l'affiche du film, l'actrice porte un grand décolleté, donc on va le faire. On vient faire les bras qui passent derrière le dos. On rajoute 2-3 petits détails sur la robe. Donc là, vous voyez qu'il y a des cheveux qui sont apparus, mais je ne vous les ai pas montrés puisque ce n'est pas les cheveux que je ferai au final. Donc on peut passer à l'ancrage. Comme d'habitude, j'utilise mon Sharpie noir. Si vous voulez le même, vous pouvez retrouver tous les liens de mon matériel en description de la vidéo. C'est donc le moment de s'occuper des cheveux. Donc vous voyez que j'avais fait des cheveux avec des petits ponts, mais ça faisait des cheveux trop frisés. Donc j'ai décidé de faire plutôt comme des petites vagues pour faire un effet plus ondulé que frisé. Donc vous voyez que c'est ce que je fais. Et on n'oubliera pas dans les cheveux de bien marquer la séparation au milieu, là au-dessus de la tête, puisque on n'oublie pas que Cruella elle a un côté des cheveux noirs et l'autre blanc. Donc on fait une séparation bien marquée. Et du coup, on peut continuer notre ancrage.
ce tuto, vous aurez besoin d'un beige très pâle pour faire sa peau, d'un gris clair pour ombrer le côté blanc des cheveux, et d'un gris foncé, et d'un gris encore plus foncé, pour faire les cheveux qui sont censés être noirs, mais je prends toujours du gris pour qu'on puisse quand même voir l'ancrage, mais ça c'est à vous de voir. Et on utilisera la même couleur pour la robe. Le dessin est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez faire d'autres dessins, j'ai d'autres tutos et on se retrouve pour un prochain. Bisous!